de John David McPherson, Bloodhound Rock. Voilà. Et je vais vous causer 2 minutes du bonhomme. Voilà, c'est pas un très vieux, puisqu'il a quand même 40 piges, mais enfin, bon, voilà. Les mécréants de l'oreille qui gratte ne le savent peut-être pas, mais, et vous en foutez peut-être royalement, mais sachez que ça fait plus de 60 ans que le rock'n'roll est né, en particulier grâce à un certain, entre autres, Elvis Presley. Né il y a une quarantaine d'années, je disais donc, dans le ranch familial à Broken Arrow, ça s'invente pas, flèche brisée. Beau, hein. Dans l'Oklahoma, il lui fallait s'occuper au milieu de ses 160 hectares de campagne du ranch. Alors il découvre la musique des pionniers, Little Richard, Jerry Lewis, Ellie Cochran, Buddy Holly, Jane Vincent, etc. Et là, tout va changer pour lui parce qu'il se dit, va essayer de le faire. Et il y a 4 ou 5 ans, ce certain McPherson, inconnu ici même, nous avait emballé avec un rock'n'roll au parfum old school de l'album précédent qui s'appelait Let the Good Time Roll. Voilà. Et laisse aller le bon temps. Le bon temps roulé, je pense. Voilà, c'est ça, traduit comme ça. La devise de l'Olympien. Voilà. D'accord, merci. Et on pourrait se dire qu'un nouvel album revival suffisait amplement. Et bien voilà qu'il récidive il y a quelques mois, en produisant miraculeusement le même effet, enfin sur moi en tout cas, qui s'appelle cet album Undivided Heart and Soul. Aux 11 pépites allant du rock endiablé au boogie boisseux en passant par le slow déchirant et le swing rockabilly. Il nous envoie comme un souffle bienfaisant. Nulle prétention ni emphase chez ce bonhomme-là et ses acolytes. Tous musiciens accomplis et dévoués à la cause d'un salutaire beat primaire, de riffs concis et contemporains. Parce qu'il a su un peu sortir du rock pur, il a fait un peu évoluer, surtout sur cet album. Petit solo dans les titres très rock, le son brut, les arrangements, la voix sans âge de J.D. McPherson nous propulse dans un rêve de rock éternel. Dans la vidéo du premier extrait de l'album Lucky Penny, que je mettrai sur, vous pourrez voir sur le site, McPherson peut être qualifié de réinventeur du rock suprême. Ce clip dépeint McPherson et son groupe en train de jouer la chanson au RCA Studio de Nashville, le légendaire Studio B, où il était primordial dans la création de ce son Nashville, ils ont trouvé, et qui résonne encore des Are You Lonesome Tonight de Presley ou Chet Atkins, The Verley Brothers, Dolly Parton et tant d'autres. Comme le lieu est un musée dans la journée en réalité, tout le matériel de McPherson devait être réinstallé le soir et déménagé le matin après avoir enregistré. Tout l'album finalement très moderne plonge le rock des origines dans un vivifiant bain de jouvence avec une joie communicative et un son rutilant qui l'exonère du passéisme. L'album idéal pour écouter cet été sur la route entre Memphis et la Nouvelle-Orléans, enfin pour ceux qui iraient par là. La pochette de l'album arbore un loup genre Tex Avery, vous verrez. Mais j'avais qu'une envie de crier, c'est « Waouh !» Avec les yeux qui sortent. Avec les yeux qui sortent. Donc voilà pour... Pour cette chronique, merci Gilles, t'as fait allusion.